C'est vraiment un étalon coup de cœur, lui, hein. Oui! Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh, je fais mal aux dents dans ça. Oh la vieillesse! Aujourd'hui, on est début février et on est à l'écurie, il fait moche. Je suis avec Margot, qui est une copine du Nord, putain, le zoom sur ma tête, j'ai eu. Qui vient du coup me voir pour la première fois avec les Espagnols. Donc, elle va pouvoir me dire ce qu'elle en pense et tout, c'est chouette. Et en plus, ben, comme ça, on va nous filmer des belles images. Voilà. Aujourd'hui, on va monter les deux entiers, mais rapide, rapide, des petites séances, parce que demain, on est en shooting photo. Donc voilà. Et lui, je vais lui faire juste un petit pansage. On est parti? Quel méchant cheval, il est trop sauvage. Ouais, de ouf. Oh, qu'il est beau. Tu tapes des pauses. Manger. Il est au préfané ou quoi? On est parti. Bon, cheval numéro 1, rien de très compliqué. Hein. On a fait des petits soins. Margot, elle a vu qu'il était gentil comme tout. Puis on le fait un peu brouter quoi. Et après, on va enchaîner. Et on va peut-être essayer de mettre des petites barres au sol parce qu'on a vu qu'il y avait des petites barres. Et je ne l'aurais jamais fait. Et bon, Valère Rousseau, je doute pas qu'il connaisse, mais le 5 ans, je sais pas s'il connaît, donc on va essayer de mettre une petite barre, voir ce qu'il dit et tout, ça va être hyper intéressant. Ça va être chouette, c'est une bonne idée. Hein. Ouais, carrément. On va faire un petit tour pour lui montrer là-bas au bout. La dernière fois, il y avait des travaux, ça l'avait un petit peu... ouf. Donc je vais lui remontrer pour être sûr que ça va. Et d'ailleurs, la dernière fois, je l'avais vlogué sur TikTok. Quand je l'avais emmené là-bas. Et du coup, j'en profite pour vous redire que je fais souvent des vlogs sur TikTok, des mini-vlogs en fait, qui durent 10 minutes. Je fais 3-4 mini-vlogs par jour quand je viens. Et ça a l'air de vous plaire le format là-bas. Donc pour ceux qui sont sur TikTok et qui me suivent pas encore, n'hésitez pas à y aller. Et ça y est, ça commence à se stresser. Ça va, tout va bien.
Bizarrement, lui, tu le brosses. Parce que Margot, elle adore les entiers, surtout quand plus ils sont gros, plus elle les aime. Non, ouais. Les gros entiers comme ça. Moi, ce que je lui ai dit, c'est attention à toi parce que tu risques de repartir avec hein, si tu continues. Elle va trop. Dans le train avec moi. Ouais. Putain, elle prend 2-3 places hein, pour lui. Dans le carré, là. Allez, Lou. Il est tout sale, les. Ils sont tous tout sales. Hein. Je pense qu'il y a eu un petit jour de pluie là entre deux parce que. Ils sont bien sales. Ça part bien, hein. Puis on va te faire bien, bien propre pour. C'est quoi ça? On va faire bien, bien propre et on va le tresser parce que demain, shooting. Ça, il aura des grains un peu frisés. Et on va voir. Ouais, elle adore là. Ouh là, c'est bien ça. Oh, il se régale. Oh. Il y a un kiff. Et tu passes en dessous là. La ganache. Ouais. T'es grosse. Oh là là. Une grosse tête. Elle fait toute petite. Ouais. Un grand frère pour ton cheval. Oh putain, j'ai reçu une goutte de pluie. Oh shit. Il commence à pleuvoir. Donc là, ça va pas être trop grave pour monter. Sauf qu'après Coronéo, il va être tout mouillé. Ça va être bien chiant. Mets-toi à l'abri. Ouais, mets-toi à l'abri s'il te plaît, Coro. Bah lui, il s'en fout en plus de la pluie. Il reste dessous. Va dans une totale immobilité depuis une demi-heure. Et là, il vient de bouger, parce que Margot a sorti son sandwich, il fait « Oh là là, ça n'a pas le manche, je reconnais. » Et finalement, je le tresse pas, parce qu'en fait, je suis sur la fin de mes élastiques. Et je vais en recevoir là demain, je pense, en justement, parce que j'étais à la fin. J'en ai commandé. Mais du coup, j'ai de quoi en tresser qu'un seul. Donc lui, je vais le laisser lisse, parce que je trouve que ça va un petit peu mieux à Coronello qu'à lui. Et soit je le laisserai comme ça pour demain, soit je lui ferai une tresse des talons. Mais comme le dernier shooting, j'avais déjà fait la tresse des talons, je sais pas, on verra. Je laisserai le choix à Lorraine, qui vient nous prendre en photo. T'es un beau gosse. T'es un beau gosse. On te voit pas là. Oui. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. Just don't be ignored, go ask for more.
chasing fast. They wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright. Bon, du coup, Vava était extra, je me suis régalée, il était trop trop bien. On a fait des petites barres au sol là et franchement j'avais l'impression qu'il aimait bien, qu'il kiffait. Donc c'était chouette. Et ensuite il s'est mis à pleuvoir, donc du coup Margot a été le faire brouter pendant que moi j'ai vite été chercher Coronello. Je me suis dit plus on attend plus il va être trempé. Comme vous pouvez le voir, il est un petit peu plein de boue. Donc là ça va, il n'est pas trop mouillé. Donc ça va sécher le temps des tresses je pense. Et après, on va pouvoir monter les bébés. Voilà. Mais qu'il est beau. Regardez-moi ce beau gosse. Montre-nous tes petites oreilles de beau gosse. Mais non, pas comme ça. Pas les oreilles d'âne, les oreilles de beau gosse. Non. Non, t'es pas beau. Pas beau gosse. Putain, t'as peur. Tout à l'heure, il tapait des pauses. Il était incroyable. Bref, on va monter la petit bébé prodige. On va essayer de faire comme la dernière fois, je vous avais montré sur le vlog TikTok. J'ai fait la meilleure séance de ma vie avec lui, qui a duré juste 14 minutes, mais qui était full dans la détente et la décontraction. J'essaye de le faire un peu plus prendre son temps, se délier dans ses allures et tout. Comme c'est un grand émotif, c'est un travail, je pense, intéressant pour lui. Donc voilà, je ne l'ai pas trop brossé, parce qu'en fait, vu qu'il pleut, il va se rouler dans la boue pour demain. Donc je me dis, c'est pas trop utile de le faire à quatre épingles maintenant. Et on est parti. Ça, c'est un bel arrêt au carré.
beaucoup mieux. Rien à voir, ouais, très bien là. Il vient chercher beaucoup plus de vent. Oui. Là, il développe son trot, il vient chercher devant, il tend le membre. C'est bien mieux que tout à l'heure. Oui. Oui. Super, ça. Caresse-le bien. Quel beau cadre. C'est beau, hein? Ouais, carrément. Puis là, en plus, on a le soleil qui ressort, ça fait plaisir. C'est vraiment un étalon coup de cœur, lui, hein. Oh, quelle pépite. Tellement doux, tellement attachant. Tellement qualiteux. Qui ne voudrait pas l'acheter, franchement? Qui ne voudrait pas l'acheter? Ah ouais? Pourtant, j'en ai connu un des Espagnols pour avoir bossé dans un élevage d'étalons espagnols. J'en ai côtoyé beaucoup, mais celui-là, vraiment. Ah ouais? Gentillesse, douceur, légèreté dans le travail, vraiment une pépite, pleine de boue, malheureusement. Nianar! Oh là là, le facochère! Oh mon dieu! Bah tu vas être beau pour le shooting de Lorraine demain, hein? Bravo Vava! Ouais, magnifique! Vraiment magnifique! Bon bah avant de repartir, je suis obligée de passer faire un petit bouzou à Vava. C'est vraiment un cheval coup de cœur. Ah oui? Bah oui! Oh là là! Un petit peu de grooming! Vraiment un étalon d'une douceur, d'une gentillesse, d'une qualité. Ah ouais? Oh là là, qui voudrait pas t'acheter? Tu repars avec moi? Je te mets dans le train. C'est un bon copain pour Jeep. Bah oui, bah oui. Alors Lorraine, je te souhaite bien du courage pour demain, pour ton shooting photo. Oh non, mais c'est un facochère, c'est pas possible. Ouais, ouais. T'es contente, toi? Oh là là. C'est fatigant de se salir, hein? On dirait que tu l'as bien fait exprès. En fait, tu rêvais d'être bé, c'est ça? Bon, bah ce petit chat ici présent était incroyable. Bah si. Bon, je dis non. Coucou. Te père. Ah c'est beau. Franchement je me suis régalée. Même Margot au début qui était pas trop fan de lui, après elle a dit oh là il est beau. Oh mais oui là c'est beau. Elle était à fond. Donc je suis contente. Non franchement il était super. Je le remonte demain pour le shooting. J'espère qu'il sera pareil parce que j'ai hâte de regarder là les rushs vidéo pour voir comment il est. Et toi tu fais ta commère? Tu viens voir? Alors par contre ouais j'ai pas été voir Vava là-bas au bout hein. Mais il est bien sale. Lui il est bien sale aussi. Tu le verras sur ma petite vidéo. Hâte. Non bref je suis très contente de mon petit cheval là. Il était super ouais. Bien. Ouais. Ouais. Future pépite et c'est ce que je disais. Là il vient tout juste d'avoir 5 ans il y a 2 semaines. Mais dans quelques années, même, je dirais, enfin, il est déjà incroyable. Ouais.
Mais je me dis... Ouais, d'ici 6 mois de travail, 1 an max, ça dépend qui l'aura, quoi. Il va être incroyable. Vraiment incroyable. Ça va être... J'ai pas envie qu'on le vende celui-là. Vraiment, je veux le garder. Il est trop bien. Bon, les gars, on fait encore brouter bébé Coronello parce qu'il est tellement bien qu'il a bien le droit à ses 25 minutes de brouting. Et j'ai regardé vite fait la vidéo pour faire un screen, pour mettre une story. Mais my god, il était fabuleux! Ah, ah ouais, bah c'est bien, ça confirme bien mes sensations. Trop bien. Parce que d'habitude, vous voyez, je filme du coin là, c'est pas. On voit pas très bien sur les vidéos et tout. Mais là, aïe! Juste le trot de la fin, j'ai regardé que ça. J'ai regardé que le trot de la fin là, comment il était. Wow, il était canon! L'engagement, l'attitude, et puis à monter léger quoi. C'est pas en mode de j'ai galéré pour l'amener comme ça quoi. C'était. J'avais presque rien à faire en fait. Toutes les conditions étaient bonnes et voilà quoi. J'avais qu'à lui demander gentiment. Et ça partait tout seul. Tu vas te mettre où là? Bah ouais, mais. Faut pas manger là-bas. Non, on va pas manger là-bas.